de vous accueillir ce soir, de vous voir si nombreux et nombreuses, pour accueillir nos deux femmes d'exception, lauréates du prix 2012 de la laïcité. Je tiens à remercier la municipalité de Toulouse qui a mis ce bel auditorium à notre disposition et monsieur le maire de Toulouse qui a délégué madame Madeleine Dupuis pour le représenter, Madeleine Dupuis qui nous dira quelques mots tout à l'heure. Ce 2 février restera une date importante pour notre association. Les Libres Marianes de Toulouse et de Midi-Pyrénées ont créé cette association pour faire vivre les valeurs fondamentales de la démocratie républicaine et nous agissons à travers la clé qui est la coordination française pour le lobby européen des femmes. Souvent mal comprise, parfois bafouée, la laïcité reste le garant de la liberté de chaque femme, de chaque homme, dans le respect de la diversité et l'unicité de chaque être humain. Jean Jaurès a écrit « Là où les croyances divisent, le savoir réunit. Nous sommes là pour comprendre un peu mieux les difficultés rencontrées dans le monde, pour mettre en place cette laïcité et en France pour la faire appliquer. Car vous le savez, nous avons en France beaucoup de lois, mais leur mise en application n'est pas toujours évidente. Nos deux invités nous en parleront et répondront volontiers à nos questions. Et je vous demande de les applaudir chaleureusement. Alors, la première de nos invitées est Jemila Benhabib. Elle nous vient du Québec. C'est pour ça qu'elle est en retard. Et Françoise Laborde, qui vient de moins loin, mais elle est arrivée un peu importante aussi. Sénatrice de Haute-Garonne. Elles ont en commun une volonté inépuisable pour défendre leurs convictions. Leur conviction, surtout, l'égalité dans la diversité, le droit au respect de tout être humain. Elles luttent chacune dans leur domaine contre toutes les discriminations et cela passe par la mise en place réelle du principe de laïcité. Mais avant de les écouter, je voudrais donner la parole à Madeleine Dupuis, déléguée à l'égalité pour tous, à la mairie de Toulouse, qui va nous dire quelques mots sur la place de la femme dans la démocratie républicaine, ou à peu près. Pas un discours. Je suis ici pour remplacer M. le maire, comme vous le savez, qui est très attaché au principe de laïcité. Et c'est pour ça que nous avons ici cet auditorium si grand, si beau, et tout cet immeuble où nous pouvons sans arrêt débattre de ce problème si crucial. Évidemment, nous savons surtout que la laïcité, eh bien, quand elle n'est pas respectée, c'est surtout les femmes qui sont les premières victimes. C'est pour ça que M. le maire a créé une délégation qui est la délégation à l'égalité homme-femme. Cette délégation, c'est moi qui l'ai en charge à la mairie de Toulouse, elle est composée d'une commission extra-municipale. Elle s'appelle extra-municipale parce que ce sont toutes les associations de Toulouse qui sont axées sur ce sujet, qui viennent avec moi discuter, de voir ce qu'on peut faire pour que la femme toulousaine soit une citoyenne à part entière. Alors nous avons 3 commissions, une qui discute des femmes dans la cité. Avec cette commission, nous avons fait une charte pour permettre que les femmes soient dans le sport à égalité avec les hommes. Parce qu'on s'est aperçu que eh bien, c'est surtout les hommes qui font du sport et qui sont subventionnés. Nous n'avons pas voulu que ça persiste et nous avons non signé avec fait cette charte dans la cité. Après, nous faisons une commission qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour ça, nous avons fait, la mairie de Toulouse a mis 10 appartements sur la ville de Toulouse qui sont disséminés dans la ville et qui permettent aux femmes qui veulent se reconstruire d'avoir pendant 2 fois 6 mois la possibilité de vivre dans un appartement pour pouvoir reprendre des forces et pouvoir trouver une solution pérenne à leur situation. Et puis nous avons une autre commission qui est la commission formation et éducation
Et dans cette commission, nous cherchons des formations qui permettent à tout le personnel qui s'occupe des enfants, qui s'occupe à la mairie, qui reçoivent les personnes dans l'état civil, etc., d'écouter, comment écouter les gens qui viennent, comment leur faire comprendre que leur place est à part entière dans la cité. Et puis nous avons créé le prix de livre jeunesse, et ce prix sera décerné le 16 mars. Nous avons, aux jeunes conseillers municipaux, nous leur avons donné un volant de 4 ou 5 BD qui montrent que la place des filles est aussi importante que la place des garçons. Que tous les stéréotypes sont combattus dans certaines BD. Ils choisiront la meilleure et nous en ferons un prix qui sera le prix de la ville de Toulouse. Voilà notre combat pour la laïcité et pour l'égalité. Je voulais simplement vous dire ça et vous retransmettre tout ce que Pierre Cohen peut vous dire pour vous aider à combattre comme nous cette notion de laïcité pour que toutes les injustices soient dans la ville de Toulouse un peu gommées. Voilà. Donc on va passer ensuite à Djemila. Djemila est née en Ukraine d'un père algérien et d'une mère chypriote grecque. Elle a vécu une partie de sa jeunesse à Oran, en Algérie, et a milité très jeune pour la défense des droits des femmes, car elle a très vite compris que seule la laïcité en est le garant. Elle travaille actuellement, je crois, pour le gouvernement québécois, c'est ça? Pas vraiment. Elle vous expliquera. Alors. Elle exprime avec beaucoup de courage ses convictions dans des conférences et surtout dans ses ouvrages, qui ont quand même un petit parfum de soufre, pour certaines. Elle vient de publier « Les guerriers d'Allah à l'assaut de l'Occident » et va nous parler de vivre ensemble dans la diversité, le multiculturalisme, un culte de sacre. Djemila, vous avez la parole et pardon, présentez-vous un petit peu plus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invitée à cette charmante rencontre avec Françoise, que j'ai le plaisir de rencontrer à nouveau. Je pense que et l'une et l'autre, nous avons vécu un véritable moment d'émotion à la mairie de Paris en octobre dernier. C'est vraiment avec une immense joie que je la retrouve et que je vous rencontre, que je vais aussi à votre rencontre. Je remercie Pierrette pour avoir organisé tout cela. Je remercie également la mairie de Toulouse d'avoir eu l'hospitalité de nous accueillir dans cette salle. Écoutez, je vais vous dire peut-être très simplement comment est-ce que je suis arrivée en fait à m'intéresser à ces questions-là, ces questions essentielles de l'égalité et de la laïcité et à en faire en fait un combat. Le combat en fait de ma vie. Moi je suis née donc dans une famille extrêmement ouverte hein, de scientifiques. Je suis donc issue de parents mixtes et lorsque nous habitions à Oran, j'ai passé en fait une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence là. Eh bien, je fréquentais l'école de quartier, donc l'école populaire, parce que mes parents étaient des militants communistes, et donc mon père voulait absolument que je fréquente donc l'école publique. De toute façon, en Algérie, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école privée, il y avait une seule et unique école, c'était donc l'école publique, et mes parents, du fait qu'ils étaient aussi donc professeurs, mon père était professeur de physique et ma mère était professeure de mathématiques, donc ils s'étaient extrêmement engagés donc pour la démocratisation de l'enseignement. Et donc à travers donc cet apprentissage à l'école, j'ai été initiée à l'apprentissage coranique. Et l'apprentissage coranique, donc je l'ai commencé très tôt, à l'âge de 5 ans, parce que bon, j'ai commencé l'école un peu avant tout le monde. Et il était donc, on nous demandait donc d'apprendre des versets coraniques par cœur.
donc en fait d'annoncer des versets. Et bon, moi très très naturellement, bon, comme c'était pas un exercice très intéressant et pour dire vrai assez ennuyant, donc qui me rébutait, donc je refusais en réalité de réciter le Coran, chose que tout le monde faisait. Et ça avait surpris mon enseignante, ça l'avait même dérangée, au point où elle a convoqué mon père pour lui dire que je devais souffrir d'une espèce d'atrophie importante et qu'il y avait vraiment une anomalie chez moi. Bon, mon père a essayé évidemment de camoufler ça et lui disant bon, que j'étais jeune et que je ne comprenais pas très bien et ainsi de suite. Mais en réalité, ce qui me dérangeait, c'était en effet d'annoncer donc, des textes que je ne comprenais pas. Mais par la suite, j'ai commencé à comprendre des textes. Et donc, on comprenait des mots. Au départ, on comprend des mots. Et les mots, en fait, qu'on leur comprend, ce sont essentiellement des mots qui sont extrêmement violents, qui sont aussi extrêmement sexistes. C'est des mots guerriers, c'est des mots qui appellent à la guerre, c'est des mots qui appellent à la haine, c'est des mots qui appellent au combat, c'est des mots... donc, pour un enfant, ça marque vraiment. Et donc, en réalité, j'avais deux vies. J'avais cette vie, donc, à l'école, avec cette éducation religieuse, mais pas seulement, hein, il y avait les autres matières, bon là on pouvait respirer un peu, et j'avais donc cet îlot à la maison où là je pouvais questionner, je pouvais m'interroger, je pouvais apprendre d'autres choses. Et donc c'était des mondes en réalité parallèles, qui ne se croisaient pas vraiment. Et bon, inutile de vous dire quel monde moi je préférais, dans quel monde en fait je me sentais le mieux. Et donc, en plus donc, de ces récitations coraniques, il m'arrivait également de fréquenter quelques amis à moi, des filles. Et bon, nous allions d'une maison à l'autre. Et lorsque j'allais chez mes amies, la plupart du temps, donc, elles n'avaient pas de chambre. Et nous étions pratiquement constamment dans la cuisine, à servir les hommes, à servir les hommes de la famille. Donc il y avait toujours un homme de toute façon à servir, il y avait un père, un oncle, un frère, un cousin qui débarquait à n'importe quel moment et qui avait besoin d'être servi. Et donc nous étions, nous en fait, les filles, au service de ces messieurs qui mangeaient et qui nous demandaient un verre d'eau, des pantoufles, le journal et ainsi de suite. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai compris en réalité très jeune, très tôt, que la condition des petites filles, la condition des femmes était totalement différente de celle des hommes. J'ai compris que ceux qui avaient un petit zizi, bien, ils avaient des privilèges. Et évidemment, ça me répugnait, je trouvais ça tellement insupportable, le traitement des petites filles, le traitement des femmes, et j'avais vraiment hâte de grandir. Je me disais, quand je vais grandir, c'est sûr que je vais changer ça, parce que c'est inacceptable. D'autant plus que, bon, comme j'étais très curieuse, je questionnais les mères de mes amies sur plein de choses. Et donc, elles me racontaient leur existence, elles me racontaient leurs rêves, des fois, elles me racontaient aussi leur indignation. Et donc voilà en fait comment je me suis nourrie enfant de ces histoires, de ces malheurs, de ces blessures, de ces rêves de petite fille et de ces rêves de femme. Lorsque j'ai grandi un peu plus, c'est-à-dire lorsque j'avais une quinzaine d'années, là les choses se sont un peu corsées parce que ces textes coraniques donc étaient prépondérants. Et il nous disait clairement, explicitement, que les hommes étaient supérieurs aux femmes et que, de toute façon, les femmes avaient toujours besoin de la protection des hommes. Mais manque de peau, moi j'étais non seulement une première de classe, mais je me débrouillais bien aussi dans un stade. Et donc, comment m'expliquer
que moi, j'étais inférieure aux garçons de ma classe. En fait, ça ne rentrait pas vraiment. Ça ne rentrait pas vraiment dans ma tête. Et donc, il y avait vraiment des taquineries que je faisais. Il y avait des choses en fait que je n'acceptais pas vraiment. Au tout début des années 90, moi j'avais une vingtaine d'années. Il y a eu une accélération vraiment de l'histoire en Algérie parce que on est sorti donc du système du parti unique et nous sommes rentrer dans un système de multipartisme où là, enfin, finalement, on se disait, ben voilà, on peut respirer, il va y avoir une panoplie de partis. Enfin, les partis démocratiques vont être reconnus. Mes parents militaient dans un parti clandestin. Ça veut dire qu'ils risquaient leur vie et qu'ils mettaient en danger la vie aussi de leur famille, de leurs enfants, parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, de militants étaient emprisonnés, étaient torturés, beaucoup aussi de militants étaient torturés avant les années 90. Et donc, ceux qui ont bénéficié en fait de cette ouverture démocratique, ça a été vraiment les islamistes, parce qu'on a reconnu aussi ce parti-là, donc le front islamique du salut. Et le front islamique du salut, sa première victoire électorale a été les municipalités. Donc il a remporté un grand nombre de municipalités en Algérie, si bien que la municipalité donc, dans laquelle j'habitais, celle d'Oran, était entre les mains du fils. Donc imaginez cette ville absolument magnifique, bordée du front de mer, était devenue soudainement donc, une municipalité sous la direction en fait, du front islamique du salut. Alors les décisions ont été immédiates, hein. Donc ils ont tout de suite, par exemple, fermé le conservatoire d'Oran, ils ont immédiatement donc annulé les spectacles de musique, de théâtre, de danse, donc ils se sont frontalement attaqués à tout ce qui était culture, à tout ce qui était art, culture. Les profs de français aussi étaient mal vus parce qu'ils transmettaient en fait la langue du colon, parce qu'ils enseignaient donc cette langue ô combien honnie par les islamistes, la langue française. Et donc pendant cette période, en plus donc de ces décisions, il y avait aussi des violences à l'égard donc de certaines personnes, et ils ont ciblé principalement au départ donc l'élite académique, l'élite intellectuelle, l'intelligentsia. Et donc plusieurs amis, j'ai vu mourir plusieurs amis. Le fils avait un projet politique, le fils avait des armées, donc il y avait une panoplie d'organisations paramilitaires au service du fils, et leur but c'était de prendre le pouvoir. Donc dans cette dynamique absolument incroyable, on voyait vraiment l'histoire s'accélérer sous nos yeux. Il y a eu une résistance absolument admirable de la part de la population, des gens au péril de leur vie qui sortaient, qui résistaient, qui se battaient pour que justement le Front islamique du salut ne puisse pas remporter les élections électorales. Donc il y a eu des gens, comme je vous ai dit, qui ont été assassinés. Et en 93, à la fin de 93, le GIA a ordonné donc aux femmes d'Algérie de porter le voile islamique. Et je me rappelle, c'était les vacances de printemps. Donc c'était les vacances de Pâques, et l'arrêt en fait de l'ultimatum, c'était le début de la rentrée scolaire. Et je me souviens donc m'être réveillée comme ça le matin en me disant bon ben qu'est-ce que je vais faire, est-ce que vraiment je vais porter le voile islamique ou je ne vais pas le porter. Et bien évidemment j'avais décidé de
de ne pas le porter. Et je me rappelle de toutes ces petites écolières qui sont allées à l'école sans le voile islamique, de toutes ces étudiantes, de toutes ces enseignantes. Moi, à l'époque, j'allais à l'université. Et quelques temps plus tard, ma famille a reçu une lettre de condamnation à mort qui portait le nom du FIDA. Le FIDA, c'était le Front islamique du djihad armé. C'était une organisation paramilitaire affiliée au Front islamique du salut qui avait pour mission d'assassiner les intellectuels de l'ouest d'Algérie. Parce qu'il y avait une panoplie en fait, d'organisations paramilitaires et chacune d'elles s'était spécialisée dans la liquidation physique d'une catégorie de la population. Donc on est parti, on a quitté l'Algérie par petits bouts. D'abord il y a eu mon père qui est parti, ensuite ma mère, ensuite mon frère et moi. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés donc en France en 1994. On est arrivé, je me rappelle, à Toulouse parce qu'on passait des vacances dans le Lot. Et je me rappelle d'une sensation assez bizarre. J'avais pas vu mon père depuis 6 mois, mais en réalité, je pensais que c'était plusieurs années que je l'avais pas vu, parce que j'avais comme père, je savais plus à quoi il ressemblait. C'était drôle en fait comme sentiment. Et on s'est installé dans la région parisienne, donc à Saint-Denis. Et là, j'ai commencé donc à travailler, à faire en fait du bénévolat pour une organisation. Je pense que c'était une organisation. Je pense que c'était haïtienne. Je pense qu'il y avait des haïtiens là-dedans et des maghrébins. Donc c'était de l'aide aux devoirs. C'était à Stein. Et j'étais extrêmement surprise de voir en fait que ce que moi j'avais fui, en fait, l'intégrisme musulman était aussi implanté dans ces quartiers, dans ces banlieues qui avaient une odeur comme ça aussi en France d'intégrisme musulman. Et ça, je l'ai très vite compris parce que les garçons en fait que j'essayais d'aider avait une attitude extrêmement distante à mon égard. Et donc il ne me regardait pas, à peine je l'ai touché, il s'éloignait. Et en fait un jour j'ai même demandé à un petit gamin, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et tout ça, il ne m'a pas répondu. Et donc c'est sa sœur qui me disait que ce petit allait à la mosquée quasiment à tous les jours avec son père qui lui en fait ne travaillait pas. Donc le modèle en fait du garçon c'était ce père qui était au chômage et qui avait pour seule passion finalement dans la vie d'aller à la mosquée. Donc j'ai décidé en fait après 2 ans et demi passés en France, j'ai décidé donc de quitter la France pour aller au Québec. Et bon, je suis arrivée au Québec en 97. J'ai demandé le statut de refuge politique que j'ai obtenu 3 mois plus tard. Et bon, j'ai une nouvelle vie en fait, une nouvelle vie. À commencer à découvrir le pays, se refaire, guérir de ses blessures. Ça prend quand même pas mal de temps, beaucoup d'énergie. J'étais vraiment extrêmement heureuse, extrêmement sereine de cette nouvelle vie en fait qui s'offrait à moi. J'ai eu également une bourse. J'ai obtenu une bourse de l'INRS Énergie et Matériaux. C'est l'équivalent du CNRS qui m'a permis de faire des études, donc de poursuivre mes études en physique. Et je suis également devenue en parallèle correspondante permanente pour un journal algérien, ce qui me permettait en fait de toujours garder donc le regard sur ce coin du monde que j'aimais. Et j'ai fait donc des reportages un peu partout, que ce soit en Amérique, en Europe, dans le Moyen-Orient, toujours pour le compte de ce journal. Et voilà donc qu'éclate le 11 septembre, le 11 septembre 2001. Donc cette,
cet attentat absolument spectaculaire qui nous montre en fait à quel point, d'une part, le monde devient vulnérable au terrorisme islamiste, et à quel point en fait ce terrorisme-là est d'une puissance absolument fulgurante. Donc à la suite de cela, je suis partie faire une série de reportages pendant quelques mois au Moyen-Orient pour comprendre en fait l'essence en fait de ce mouvement, de ce nouveau mouvement d'Al-Qaïda, et voir quel sentiment la population avait à l'égard de ce mouvement. Donc voilà, en fait, c'est à partir de ce moment que j'ai réellement commencé à réfléchir sur l'islam politique, son essence, sa genèse, parce que il était en fait tout de même curieux et même ironique de voir en fait que ce que j'avais en fait j'avais voulu en fait fuir de cet islam politique venait en quelque sorte me rattraper en Amérique du Nord. Et donc jusque-là, j'avais pas vraiment pour ambition d'écrire, bien que je réfléchissais, bien que j'écrivais des reportages. Mon premier livre, en fait, Ma vie à contre-courant, je l'ai écrit à la suite donc d'un débat extrêmement important que nous avons eu au Québec sur la place du religieux dans l'espace public, parce que il y a eu un certain nombre de demandes venant de plusieurs minorités religieuses, et en particulier des musulmans, qui venaient donc briser l'égalité, qui venaient briser surtout le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous avons eu donc ce débat-là à partir donc de 2006, donc jusqu'en 2007, mais avant cela, nous avons eu quand même tout l'épisode des tribunaux islamiques en Ontario. Donc c'était un lobby politico-religieux qui était affilié donc à une organisation beaucoup plus large à l'échelle internationale, qui demandait à l'État canadien, plutôt ontarien, une dérogation pour créer des tribunaux islamiques. Et les tribunaux islamiques donc étaient censés donc régir les femmes musulmanes, et surtout en fait dans le domaine familial, donc tout ce qui était mariage, divorce, héritage et ainsi de suite. Cette bataille en fait m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Elle m'a permis surtout de voir à quel point l'islam politique était aussi présent au Québec, était aussi présent au Canada, et m'a également permis de mesurer la fragilité du pays dans lequel je vivais, c'est-à-dire le Canada, en raison de son organisation sociale qui lui était propre, c'est-à-dire une organisation sociale basée sur le multiculturalisme qui se traduit fatalement par le communautarisme. Et donc les islamistes, en fait, mais pas seulement, hein, ils étaient comme des poissons dans l'eau. La demande en fait qui a été donc reçue par Mackenzie à l'époque, qui était Premier ministre, elle a été transférée à une ancienne ministre des affaires féministes, des droits des femmes, pour une recommandation. Donc c'était Marion Boyd, ancienne donc ministre de gauche du NPD, qui a étudié donc la faisabilité de faire les tribunaux islamiques et qui a donné un avis favorable. On voyait là vraiment une alliance, d'abord une dérive extrêmement grave, et une alliance entre une partie de la gauche, donc multiculturaliste, et des lobbies politico-religieux. Et donc moi j'avais envie, dans ce contexte-là, dans le contexte en fait des tribunaux islamiques, dans le contexte aussi des accommodements religieux, de prendre la parole
pour parler de mon expérience, pour témoigner de ce que je savais, pour dire que pour moi, l'égalité était un principe inaliénable de la démocratie et qu'il avait un sens et que lorsqu'on brisait le principe d'égalité, eh bien, on brisait la démocratie. Et donc, c'est toute cette réflexion que j'ai faite dans ma vie à contre-courant, que j'ai poursuivie aussi dans les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Je me suis intéressée à la perversion aussi des démocraties occidentales et dans le laxisme aussi qu'elles peuvent avoir face à la montée des intégrismes religieux. Donc vous comprendrez par là que moi je suis une républicaine, une femme attachée à la laïcité, une femme attachée à l'égalité, mais ce combat-là, lorsqu'on le mène ailleurs dans le monde, c'est un combat extrêmement difficile, d'abord parce qu'il est incompris par plusieurs, et ensuite parce qu'il y a énormément de lobbies politico-religieux qui sont là, qui sont présents, qui occupent la scène politique et qui ont des entrées directes au plus haut échelon de l'État. Donc moi, lorsque je me bats, je n'ai pas nécessairement le droit avec moi. Moi, je dois aussi me battre contre le droit de mon pays, quelquefois. Et parce que la liberté de religion est poussée au maximum dans un pays comme le Canada. Les Mormons, par exemple, ont poursuivi le gouvernement de la Colombie-Britannique parce qu'ils jugeaient que ce gouvernement, que le droit pénal contrariait leur liberté de religion en criminalisant la polygamie. Donc c'est deux Schnocks en fait qui ont poursuivi donc le gouvernement de Colombie-Britannique. Il y en a un qui est marié, je pense, à une quarantaine de femmes et l'autre à une vingtaine. Et ces pauvres choux, donc, ils disent qu'ils sont brimés dans leur liberté de religion. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'absurdité aussi dans laquelle on peut vivre lorsqu'on vit dans les démocraties occidentales. Je finirai juste par dire deux mots sur mon prochain livre, donc qui va paraître en France et qui est déjà paru au Québec, qui va s'appeler donc L'automne des femmes arabes, parce que je garde toujours les deux yeux grands ouverts donc sur cette région du monde qui me passionne. J'ai passé trois mois donc à Tunis et au Caire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait après, donc qu'est-ce qui s'est passé donc après les révolutions avec un prisme féministe. Donc j'ai rencontré des tas de gens, essentiellement des femmes, pour essayer de rendre compte en fait de ces bouleversements historiques que vivent ces deux pays. Et je peux vous dire que ces questions-là de la séparation du pouvoir politique et religieux sont d'une actualité brûlante dans ces deux pays. J'ai été extrêmement surprise de voir à quel point les gens avaient à cœur ces questions-là, et surtout les femmes, et à quel point aujourd'hui une bonne frange de la population n'a plus peur de parler de la laïcité et même de l'exiger. Et donc on voit aujourd'hui une confrontation frontale, je dirais, entre vraiment deux projets de société totalement antagoniques. Un porteur d'ouverture, un projet moderniste, humaniste, et un autre projet plutôt obscurantiste et d'exclusion. Donc c'est dire que finalement cette valeur si chère
à la France, la laïcité est aussi chère à d'autres peuples, parce que ce n'est qu'en évacuant les dieux de la cité qu'on peut bâtir un projet collectif commun. Et vivre ensemble, ce n'est pas vivre les uns aux côtés des autres, mais c'est vivre réellement ensemble et regarder dans la même direction. Voilà, c'était, je pense, les quelques mots d'ouverture que je voulais échanger avec vous. Donc, je vous inviterai par la suite à poser toutes les questions. Vous gênez surtout pas pour qu'on ait, pour qu'on puisse profiter les uns et les autres de nos expériences respectives. Merci. Nous allons présenter maintenant Françoise Laborde. On ne la présente pas, tout le monde la connaît. Sénatrice de Haute-Garonne, elle nous fait l'honneur d'être là ce soir malgré ses nombreuses obligations. Sa formation d'enseignante lui a fait comprendre combien il est difficile de mettre en place et de défendre les valeurs qui fondent notre République française. Entrée en politique, elle sait que c'est un véritable engagement et elle y met une énergie sans faille, mettant souvent le doigt sur ce qui fâche. Ses deux priorités, laïcité et droit des femmes, quel programme ? À vous, Françoise. Que pensez-vous de la laïcité dans le domaine politique, dans l'action politique ? Donc, merci Pierrette, merci à vous tous. Je suis déjà venue d'ailleurs à votre invitation au mois de décembre et le thème était intéressant puisque c'était est-ce que la laïcité peut être le garant de l'égalité homme-femme ? On a déjà une idée de la réponse, mais... Donc c'était le 8 décembre, veille de la journée de la laïcité. Donc moi, oui, bien sûr, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Jamila. Donc c'est vrai que nous avons fait connaissance le 8 octobre à la mairie de Paris, lorsque nous avons reçu toutes les deux notre prix, l'international et le national. Et bon, c'est vrai que ça a été des moments d'émotion partagée, des moments forts, et aussi une envie de se retrouver. Donc c'est vrai que quand Pierrette m'a dit qu'elle va venir le 2 février, j'ai dit... Bon, c'est sûr que je note la date. Voilà. Donc c'est vrai que les uns et les autres ont déjà eu l'occasion de m'entendre parler sur un certain nombre de sujets, mais qui tournent toujours autour de la laïcité. Donc je me suis fait un petit pense-bête, et surtout pour essayer de ne pas redire trop de choses. Et puis passer après Jamila, c'est pas facile, parce qu'elle a quand même aussi, par rapport à cette bagarre pour la laïcité, un parcours très intéressant. Et donc, moi, je viens un petit peu de façon différente. Donc, bon, je crois que l'on va redire un certain nombre de choses. Bon, moi, je dirais que justement, après ce que tu as dit, quand on dresse le bilan de ces dernières années en France, la laïcité a été plutôt malmenée. Elle a été malmenée par la précédente majorité, mais on peut le dire qu'elle l'est depuis avant aussi. On a tenté de l'aménager sous prétexte de la moderniser avec des accommodements raisonnables, et c'est un mot qu'on utilise, enfin une expression qu'on utilise de plus en plus, et on se rend compte que il serait peut-être temps aussi de ne plus l'utiliser, puisque ailleurs on se rend compte que ces débordements d'accommodements raisonnables nous amènent à des choses encore plus dures. Je peux dire aussi que la laïcité égale tolérance. Ben, c'est pas ça la définition de la laïcité, et c'est aussi ce qui montre les limites de notre façon de voir les choses. Donc je veux dire que nous nous sommes réveillés quand même, je crois, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était considéré comme une évidence, un acquis, donc pour nous en France, ben, ne l'est pas. Et que donc on laisse bafouer, on laisse déborder, on laisse rentrer des communautarismes, et il était temps de reprendre les choses en main. Donc je l'ai bien vu au Sénat, puisque bon, en tant que sénatrice du groupe RDSE, donc c'est un groupe qui est composé de sénateurs à majorité radicaux de gauche. Alors je dis sénateur parce que maintenant je suis la seule sénatrice. Nous étions deux, mais Anne-Marie Escoffier est partie donc pour l'instant au gouvernement, et donc je me suis retrouvée seule dans ce groupe.
Donc je crois que nous, le RDSE, nous avons répondu présent quand le Sénat a voté l'instauration d'une journée de la laïcité, donc le 9 décembre. Alors bien sûr, ça a été voté pour le 9 décembre 2011, c'était la première, en sachant que quand même c'était l'anniversaire du 9 décembre 1905. Mais il était temps de leur dire, parce que je crois que ça fait partie des acquis. Il faut remettre cette laïcité sous les feux de la rampe. J'ai demandé aussi au précédent gouvernement, puisque j'étais élue depuis 2008 et que le changement a eu lieu en 2012, de mettre en place l'Observatoire de la laïcité. Donc le principe avait été voté en 2003, mais il n'était toujours pas mis en place. Il ne l'est toujours pas, mais là ça y est, on a obtenu la promesse et puis ça a été annoncé par François Hollande, donc dans les choses qui allaient se faire très vite. Et même pour que ça se fasse très vite, il a décidé d'appliquer le décret de 2010 pour ne pas changer la composition, ne pas remettre des choses et des discussions qui pourraient durer encore un certain temps. Donc cet observatoire de la laïcité va démarrer incessamment sous peu et du coup j'ai demandé à y être. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il trouve que je suis un peu trop poil à gratter, j'y serai peut-être pas et peut-être j'aurai la chance. Mais il en faut, mais justement, peut-être qu'ils ne vont pas me vouloir. Ça a été aussi le cas lors de plusieurs projets de loi où il était question de neutralité de l'espace public, d'égalité entre les citoyens, de liberté d'expression et d'école aussi. Donc c'est vrai qu'avec mes collègues, pareil au Sénat, on a voté contre évidemment la proposition de la loi, enfin de Carl, Jean-Claude Carl, ce qu'on appelle la loi Carl, qui prévoit que les mairies versent une subvention aux écoles privées quand celles-ci accueillent des enfants des communes voisines. On ne se demande pas si les communes ont une école publique, mais c'était donc la loi Carl qui a été votée, hélas, puisque à l'époque, c'était encore, nous étions dans l'opposition et pas dans la majorité, donc cette loi est passée. Dans le cadre de mon travail, je m'occupe aussi de sujets, donc à chaque fois que je peux, de sujets qui touchent de près ou de loin la laïcité. Donc en Haute-Garonne, j'ai d'ailleurs fait un communiqué de presse pour dénoncer les mouvements intégristes catholiques qui avaient manifesté à Toulouse contre la pièce de théâtre de Rodrigo Garcia, donc Golgotha Pique-Nique. Alors je l'ai fait à plusieurs titres, d'abord parce qu'on me traite un peu d'islamophobe quand j'ai fait ma proposition de loi dont je vais parler tout à l'heure, et c'est bien de montrer que c'est pas parce qu'on a un passé ou une culture judéo-chrétienne en France qu'on laisse faire n'importe quoi aux catholiques. Et là, c'était la liberté d'expression qui était en cause. Je m'en étais expliqué avec l'archevêque Le Gall, et je lui avais dit que si quelqu'un payait pour aller voir une pièce de théâtre, ce n'était pas choquant, c'était son choix. Par contre, quand il y avait eu les panneaux publicitaires de Benetton, où l'imam embrassait l'archevêque, ou je ne sais pas, enfin bref, cette campagne publicitaire a fait un peu de bruit, et à la limite je disais oui, celle-là elle peut être plus choquante ou plus dérangeante pour le citoyen parce qu'elle est dans l'espace public. C'est gratuit, vous la subissez, vous la voyez, vous en intégrez des choses. Donc quand on a une liberté d'expression et une faculté adulte à analyser la situation, on le fait. Quand on est un enfant, on peut aussi emmagasiner des choses. Donc ça avait été une discussion assez intéressante avec l'archevêque. Bon, je ne suis pas sûre de l'avoir convaincu, mais je lui ai dit, si vous payez pour aller voir cette pièce de théâtre, c'est votre problème. Et moi, à cause de toutes vos manifestations et contre-manifestations, je vais être obligée d'aller la voir, pour me faire une idée. Donc évidemment, j'avais profité de rappeler que face à toute forme de fanatisme religieux, la liberté d'expression n'est pas négociable. Donc aujourd'hui, encore au Sénat, plusieurs occasions me conduisent à faire des propositions concrètes sur la laïcité. Donc bien sûr, en ce moment, la première, c'est le travail du gouvernement sur le projet de loi de la refondation de l'école. Donc je rencontre d'ailleurs le ministre de l'Éducation la semaine prochaine à ce sujet. Je participe par un certain nombre de groupes de travail donc autour de la mission d'enseignant, de la carte scolaire, et d'un certain nombre de choses, bien sûr. Donc, autant vous dire que sur la mission de l'enseignant, je pense que l'apprentissage de la laïcité et sa transmission aux élèves est importante. Et donc, c'est un bon moyen de redonner aussi du sens à la laïcité. Donc, il est essentiel d'apprendre aux jeunes quels sont les principes
de laïcité, donc on n'est pas là pour leur apprendre le Coran. On est là pour leur apprendre un certain nombre de choses, justement, sur l'égalité entre les citoyens, qui repose donc sur la nécessaire neutralité de l'État. Certains me disent que je suis peut-être même trop gentille de dire neutralité, on devrait dire impartialité de l'État. Bon, déjà, certains digèrent mal neutralité, donc on verra. La séparation des églises et de l'État, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire la séparation de l'église et de l'État, parce qu'à l'époque, c'était essentiellement le catholicisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a raison de dire la séparation des églises et de l'État, parce qu'il y a toutes les religions. Et donc, ils doivent permettre de distinguer la sphère publique et la sphère privée. Et c'est là qu'on a abouti à la liberté de conscience. Et enfin, bien sûr, la notion de liberté qui permet la liberté d'expression religieuse, philosophique ou politique. Donc ces bases de notre modèle républicain, ben, il faut les apprendre dès l'école. Et donc c'est pour ça que moi je suis assez d'accord pour discuter donc, avec Vincent Bayon sur les cours de morale laïque. Mais il faut aussi être capable de le faire. Donc ce n'est pas simple et je pense que ça ne s'impose pas comme ça. Il faudra que les enseignants aient une formation. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a des campagnes, je dirais, de recrutement d'enseignants. Puisqu'on est un petit peu juste hein, au niveau des enseignants et j'allais dire voilà, de la vocation, appelons ça comme on veut. Mais il faut que vous sachiez qu'à aucun moment, même dans les nouveaux concours, dans les nouveaux modes de recrutement, n'apparaît la nécessité, l'obligation aux élèves, enfin de transmission aux élèves des valeurs républicaines. Je me suis intéressée à récupérer donc, les contenus du prochain concours. Il n'y a rien là-dessus. Donc ça va être des professeurs de l'école de la République et on ne leur demande rien là-dessus. Donc bien sûr, ils auront le concours et on comblera par la formation que nous connaissons tous ces manques. Voilà. Donc je suis un peu attristée de voir ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc je voulais aussi vous dire que donc, pour améliorer la situation, je pense qu'il faut élargir donc, la neutralité nécessaire à l'enseignement à l'ensemble du temps éducatif. Donc c'est aussi ce que je vais dire à Vincent Villon, c'est-à-dire les activités extrascolaires, les cantines, tout ce que ça comporte, les garderies, les colonies de vacances, les loisirs, en fait, etc. Donc c'est là que j'ai tenté de contribuer à cette avancée en déposant donc une proposition de loi en 2011 qui a été adoptée au Sénat en janvier 2012 et doit encore, hélas, toujours être examinée et éventuellement adoptée à l'Assemblée nationale. Ça, là-dessus, on n'a pas trop avancé depuis la fois que je vous ai vu. Donc je vais vous résumer rapidement un petit peu l'historique de cette initiative et donc c'est ce qui m'a valu le prix avec Jamila cet automne. Donc ma proposition de loi avait pour but d'apporter une réponse législative au problème complexe qu'avait rencontré la crèche Babylou, dont on a beaucoup parlé. C'est une crèche donc, qui est au pied on va dire, d'une cité, qui a la particularité d'ouvrir 365 jours sur 365, et qui est donc avec du personnel qui est beaucoup formé par la directrice donc, qui est chilienne, Natalia Baleato, avait vu que donc, dans cette cité, il y avait des besoins de garde, bien sûr, pour que les femmes puissent aller travailler. Cette crèche a plus de 20 ans, et donc il y a, je ne sais pas, une nationalité, je crois que c'est 65 à un moment. Et elle a choisi de monter petit à petit et elle a fait former des personnes, des mamans, des personnes qui habitaient dans cette cité pour pouvoir avoir évidemment les diplômes et être membre du personnel, professionnel, voilà le mot que je cherchais, de la crèche. Ce qui s'est passé, elle a eu une professionnelle donc, qui est partie en congé de maternité, donc qui était tout à fait bien, et puis qui est partie, elle a fait un congé parental, et puis elle est revenue, elle a refait un deuxième enfant, elle est repartie, et quand elle est revenue, je vous fais court, mais...
Donc ça a été un petit peu compliqué. Heureusement, Natalia Baleato, avec donc son conseil d'administration, avait fait qu'il y avait un règlement intérieur. C'est sûr que c'est quand même assez original, une crèche qui est ouverte donc 365 jours et qui accueille donc les enfants de n'importe quelle religion, de n'importe quelle famille et de n'importe quelle culture. 365 jours et le soir aussi. Et oui, c'est jour et nuit, c'est 24 sur 24 aussi. Donc elle voulait les aider, les nanas, à aller bosser. On peut dire ça comme ça. Donc, bref, donc il y a eu de gros soucis et donc c'est pour ça qu'il y a eu un procès. Cette personne donc a dit mais on peut négocier si j'obtiens une somme d'argent, j'accepte de partir. Enfin, bon, au fur et à mesure, Natalia sentait que bon, cette fille elle ne réfléchissait plus toute seule, on va dire ça comme ça. Donc je crois qu'il était difficile donc de faire valoir donc à la crèche Babylou les dispositions du règlement intérieur de l'établissement et qui affirmait pourtant le caractère neutre de l'accueil des enfants. Donc si la crèche avait été un établissement confessionnel, il aurait été beaucoup plus facile de faire valoir son caractère confessionnel. Là, il me semblait que c'était une rupture d'égalité, mais une rupture d'égalité dans le mauvais sens. Parce que du coup, je me suis rendu compte que dans notre République laïque, faire respecter le droit à une éducation laïque est finalement plus difficile que de défendre le droit à une éducation à caractère propre. Surtout que la Hague, avant l'arrivée de Jeannette Bourgrave, avait pris le parti de la professionnelle et contre Babylou. Donc, moi, je me suis rendu compte qu'il me paraissait difficile aussi aux locaux, aux élus locaux, aux familles, d'avoir un recours et d'avoir un recours juridique, voilà, pour contraindre un assistant maternel à cesser toute forme de prosélytisme, et même si la demande venait directement des familles. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose. Donc, j'ai même eu la tentation de faire une proposition de loi concernant aussi le secteur médico-social, le secteur social, les maisons de personnes âgées, parce que ce qui se passe là sur la petite enfance, la petite école est obligatoire à partir de 6 ans. Les personnes qui mettent leurs enfants à l'école publique maternelle, c'est quand même 95-98%, donc ils bénéficient donc d'un statut d'école publique et donc de valeur républicaine, mais tout ce qui est avant ne dépend pas du service public. Et c'est pareil, on s'en rend compte, j'ai eu l'occasion donc en avançant sur ce projet de loi, de constater que ça va être pareil dans les cas de la dépendance, de l'accompagnement des personnes âgées. Enfin, on se rend compte que la prise religieuse est plus que sur le service public. Bon, donc, j'en suis restée au domaine de la petite enfance, bien m'en a pris parce que c'était déjà beaucoup trop pour certains. Donc, dans ma proposition de loi, j'introduis l'obligation de neutralité donc, dans les conditions de délivrance de l'agrément décerné par le Conseil général aux professionnels des établissements d'accueil. Et bien sûr, je viens renforcer cette idée que dans des crèches collectives, il y a une obligation aussi de laïcité, de neutralité, surtout quand il y a des aides de fonds publics. Et ça aurait bien aidé Natalia de ne pas se contenter que de son règlement intérieur, mais d'avoir une loi qui mette en avant ça. Donc bien sûr, ça a été compliqué. Moi, je ne voulais pas m'immiscer dans ce qui fonctionnait bien. Je voulais juste créer une loi pour régler des situations conflictuelles. Alors bien sûr, j'ai subi de nombreuses oppositions, m'accusant de remettre en cause le principe de la liberté individuelle, en particulier pour les enfants, l'accueil des enfants au domicile des assistants maternels. C'est-à-dire que c'est passé plus facilement, bien sûr, pour tout ce qui est collectif, mais ça a été très difficile pour ce qui était de l'assistante maternelle qui garde les enfants chez elle. Mais bon, à force de chercher des arguments, j'en ai trouvé. Donc il y en a un qui est assez... Voilà, qui manque pas de piquant. L'extension de la sphère publique à la sphère privée existe déjà avec l'interdiction de fumer.
c'est-à-dire qu'un décret fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Et il étend cette interdiction de fumer à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent les lieux de travail. Donc du coup, l'assistant maternel et son domicile devenaient dans ce sens-là un lieu public. Par contre, moi, quand je leur dis il faut que les enfants soient respectés, donc comme des personnes, c'est un peu difficile parce qu'ils sont petits, mais comme le veulent leurs parents, là, c'est plus de la sphère publique. Donc, ma proposition de loi n'était pas un catalogue de pratiques interdites, elle instaurait un principe général basé sur la confiance, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas perdre son emploi à un assistant maternel qui pratique sa religion de façon habituelle, c'est-à-dire dans sa sphère privée. Ça ne l'oblige pas à déclarer aux parents, enfin informer les parents, je suis catholique, je suis juive, je suis n'importe quoi, on s'en moque. Mais plutôt à déclarer s'il entend pratiquer cette religion de façon ostensible quand il a l'enfant à la maison. Donc c'est un petit peu différent. Elle ne stigmatise aucune communauté, même si on m'a dit qu'à cause de moi, beaucoup de femmes voilées... Parce qu'en fait, on a caricaturé, on a dit, bon oui, non, elle a fait une loi contre les nounous voilées. Non, je n'ai pas fait une loi contre les nounous voilées. Hein. C'est un peu plus large que ça, heureusement. Donc voilà pour cette partie. Donc pas besoin de vous dire que, évidemment, le temps que cette loi, soit présentable, parce que, bon, ben, je suis élue, mais je ne suis pas... juriste, donc il a fallu que je me fasse aider, que je travaille beaucoup, que j'auditionne. Donc quand cette loi était prête, bah évidemment c'était pas le moment. Alors c'était pas le moment, bah non, parce que Sarkozy nous avait fait de la laïcité à la française, modernisation, enfin plein de choses. Marine Le Pen, c'était... Oui, parce qu'on met des adjectifs à laïcité. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne met pas d'adjectifs à laïcité. Il n'y a pas de laïcité ci, il n'y a pas de laïcité ça, il y a la laïcité. Donc ça, on peut dire merci Sarkozy, nous aimons tous les adjectifs qu'on a voulu et même ceux qu'on n'a pas voulu. Marine Le Pen, bon, bah, évidemment, elle s'est engouffrée dans le système, bien sûr, et nous approchions des élections. Donc on m'a fait savoir et on m'a fait dire par différents réseaux que si je ne faisais pas, que je ne proposais pas ma loi à ce moment-là au Sénat, ça serait bien. Donc c'est aussi pour vous dire que de toute façon, ce n'est jamais le bon moment. On a eu des propositions de loi, on a eu des accommodements, hein, école privée, école publique, parce que c'était des périodes électorales. Enfin, si vous revoyez un petit peu votre histoire, vous verrez que tout ce qu'on a avalé, les couleuvres qu'on a avalées, c'est parce que c'était des périodes électorales. Alors le problème, c'est qu'on est souvent en période électorale et que ça va un moment. Donc j'y suis quand même allée, je suis montée au charbon, j'ai quand même réussi à obtenir ce que ce soit voté au Sénat, mais bon voilà, c'est pas encore une loi, puisque... voilà, donc ensuite, bien sûr, je travaille beaucoup donc, à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, donc bien sûr il y a tout ce qui concerne la violence faite aux femmes, violence conjugale au sens large, hein, parce qu'on va être marié pour subir les violences conjugales, je veux dire, bon, c'est le terme générique qui veut dire violence à la maison, donc violence familiale, la place des enfants quand les mamans ou les femmes subissent ce genre de violence, sachant que j'ai toujours fait attention dans ma proposition de loi à dire que des hommes subissent aussi des violences, même si c'est moins fréquent, même si on n'en parle pas, puisque je tiens à ce que ce qu'on... C'est pas le bon mot, qui est égalité, voilà, et puis quand même, on ne taxe pas de dire oui, mais toujours les femmes, toujours les femmes, oui, toujours les femmes. Bon, mais il y a quand même un ou deux hommes qui meurent par an pour 152 femmes, ou je ne sais plus combien, mortes l'année dernière sous les violences conjugales, voilà. Mais c'est important quand même, bon, de temps en temps, de dire à nos hommes que s'ils étaient maltraités, on s'occuperait d'eux avec autant d'attention. Donc je crois qu'il faut le dire et le redire, c'est qu'à l'heure où donc, l'actualité internationale se fait l'écho de femmes lapidées, violées, mariées de force, excisées, infériorisées au nom de préceptes religieux, à l'heure où l'actualité nationale nous montre aussi nombre d'agressions, par exemple sur des personnels médicaux dans les maternités,
ou sous prétexte qu'un homme ne doit pas ausculter sa femme. Il y a dans certaines salles d'accouchement, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû se passer, où le médecin homme s'est fait bousculer par le mari de la dame. Voilà, alors est-ce qu'il vaut mieux la laisser mourir que monsieur touche à madame, enfin voilà. Et à l'heure où l'Église catholique aussi souhaitait faire entrer quand même certains débats dans les écoles privées, hein, je ne suis pas sûre qu'on ait aussi le droit de laisser faire. Enfin voilà, je crois qu'il y a plein d'exemples. Et donc la laïcité propose un cadre juridique et politique qui permet à des êtres différents de vivre ensemble. Donc c'est vrai qu'en dépassant les différences pour s'élever à une humanité commune, la laïcité est opposée à l'enfermement dans la différence ou justement au communautarisme. Et ça, j'avoue que Jamila en a très bien parlé, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Voilà, donc concernant mon mandat parlementaire, vous avez compris que je prends à cœur vraiment de mener des actions. Il faut vraiment défendre le champ laïque, il faut que les uns et les autres reprennent vraiment conscience que ce qu'on a considéré acquis ne l'est pas du tout. Mais ça a été pareil lorsqu'on a eu pour les femmes une certaine liberté au niveau, bien sûr, du vote et de beaucoup de choses, mais aussi au niveau de l'IVG, au niveau de la contraception, au niveau... Il faut qu'on fasse attention, parce qu'une génération a pensé que c'était acquis, enfin, ou s'est battue pour que ça le soit, et la génération suivante, du coup, n'a pas su entretenir cette flamme. Voilà. Et je crois que notre rôle à tous, c'est d'entretenir cette flamme, parce que sinon, mais on va se laisser à nouveau bouffer, voilà. Donc, je continuerai à mener avec beaucoup de conviction ces combats laïques, et j'espère que vous nous aiderez, parce que si on a une qui se bat pas mal, c'est Jamila aussi. Merci.